Vous connaissez Slidy Spider, le tout nouveau personnage de Poppy Playtime chapitre 4. Ce personnage, nous l'avons fait évoluer en le fusionnant avec Nightmare Catnap jusqu'à devenir Slidy Spider Nightmare. Le voici. Maintenant, je vais fusionner ce Slidy Spider Nightmare avec le Catnap maudit Nightmare pour obtenir un tout nouveau Slidy Spider terrifiant. Le titan maudit Slidy Spider, le voici, il est terrifiant. Est-ce que le titan maudit Slidy Spider pourra battre le terrifiant démon Dog Day? C'est ce que nous verrons une fois que j'aurai réussi à l'obtenir. Pour l'obtenir, je dois fusionner Catnap maudit Nightmare. Pour mieux apprendre à connaître ce Catnap maudit Nightmare, on va regarder tous les Catnap du plus petit au plus grand pour voir où est-ce qu'il se situe. On va commencer avec le plus petit Catnap de tous. Le spell écriture, ce Catnap réparé. Allez hop, ça dégage. Ensuite, un tout petit peu plus grand, mais je crois qu'il faut quasiment la même taille. Le spell écriture, ce Catnap cassé. Let's go. Juste derrière, le spell écriture, ce Catnap V2. Et attention, attention, bam. Voici ensuite 4D. Let's go. Catnap Among Us. Ok, attention, le ballon de foot, bam. La femelle Catnap et bam. Le Catnap Titan Small. Ok, c'est bon, lui aussi ça dégage. On arrive sur la star du chapitre 3, le Catnap original, bam. Et ensuite le Catnap démoniaque. Et hop les, le voici, regardez-le. C'est le Catnap maudit Nightmare. C'est lui qu'on va fusionner avec Slidy Spider Nightmare pour en faire le titan maudit Slidy Spider. Mais d'abord il faudra le capturer et ça va pas être si simple. Let's go, attention, j'ai loupé mon coup de pied. Bam, allez, allez, ok c'est bon. Ok, je l'ai fait voler. Voici Nappy Cat en plein dans les dents. Mais décidément j'y arrive plus. Allez c'est bon, ok c'est bon, je l'ai fait disparaître. Voici mon personnage préféré, Nightmare Catnap, il est trop stylé. Oh là 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 là. Ok c'est bon, je l'ai eu. Un peu plus grand encore, nous avons le Catnap musclé. Allez c'est parti, en plein dans la bouche. Ah j'ai loupé mon coup, allez c'est bon, je l'ai eu. Décidément j'ai les jambes un peu trop courtes. À chaque fois je me loupe la première fois. Ça c'est le Catnap sur deux jambes, il est vraiment vraiment grand en vrai de vrai. Allez bam, c'est bon, je l'ai eu. Ça c'est le Catnap maudit, let's go. Oh, regardez, il est vraiment effrayant ce Catnap maudit, mais j'aime son style de plus en plus. En vrai, il est vraiment stylé. On le voit pas assez souvent dans mes vidéos. Allez, il faut que j'arrive. Oh, wow. What? Pourquoi est-ce qu'il a volé aussi loin? Bon, là, il faut que je mette un coup de pied dans de la ferraille. Voici le méca Catnap. Allez, je vais réussir à l'avoir. Ok. Ninja! Ok. Allez, oh, c'est bon, je l'ai eu. Ok, ok, ok. J'ai sauté, je suis tombé sur lui et ensuite j'ai réussi à l'avoir. Juste derrière, nous avons le cursé Nightmare Catnap en plein dans les dents. Allez, allez, on va réussir. Bam, ok, c'est bon, je l'ai eu. Derrière, nous avons le titan Catnap. Il est sur le podium des Catnap les plus grands. Allez. Je pense pas que 3 coups ça va seulement suffire. Wow. Ah ok c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Let's go. Derrière nous avons le Nightmare Mecha Titan Catnap. Ah let's go, je vais le défoncer. Ok, 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 je l'ai eu. Let's go, regardez s'effondre. Énorme. Qu'est-ce qui se passe là-bas? What? Et derrière, nous avons le Mecha Titan Catnap. Let's go. C'est parti, pareil. Allez, je vais essayer de l'avoir. Ok, c'est bon. Let's go, regardez tous les deux ils s'effondrent, c'est vraiment magnifique. Let's go. Du coup ce Catnap maudit Nightmare, on va le fusionner avec Slidy Spider Nightmare. Il faut d'abord que l'on capture le Catnap maudit Nightmare et ensuite le Slidy Spider Nightmare à l'intérieur des backrooms du level 37 Sublimity. Mais juste avant on va essayer de le capturer lui et je pense qu'il va nous causer beaucoup de tort. C'est parti, let's go. Le Catnap maudit Nightmare est en train de nous poursuivre. On avait prévu de le capturer, sauf que c'est légèrement parti en steak et qu'il a failli nous tuer. Du coup on a commencé à fuir. Et là il est actuellement en train de nous poursuivre. Le problème c'est que nous ne sommes pas assez armés pour pouvoir le capturer. Et on vient de tomber sur ce bâtiment très étrange. Il y a le M de McDonald's dessus. Sauf que ça ne ressemble absolument pas à un McDonald's. Et là plusieurs questions se posent. Soit on continue de fuir en continuant sur la route et on prend le risque de se faire attraper et de potentiellement mourir. Soit on prend la décision de se réfugier à l'intérieur de ce McDo, d'établir une stratégie, pour pouvoir le capturer. Du coup on va tous voter en bas de ce McDo. Venez, descendez tous. Descendez tous, on doit prendre une de décision. Est-ce qu'on reste ici? Est-ce qu'on se réfugie à l'intérieur de ce McDonald's très étrange? Puisqu'en fait, vraiment, le bâtiment, il a pas du tout une tête de McDonald's. Regardez-moi ça. Il y a juste le M de McDonald's qui nous fait penser que c'est un McDonald's. D'ailleurs, dans 5 minutes, le Catnap maudit Nightmare va arriver. Il faut vite qu'on se dépêche de prendre une décision. Oh, ok, on va faire un vote à main levée. Venez tous en bas. Il manque du monde. Ok, tout le monde est là. Ok, ok, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Soit on prend le risque de continuer sur cette route en sachant qu'on va peut-être pas trouver d'autres endroits pour se réfugier et qu'on va peut-être mourir puisqu'il va nous rattraper, ou alors on établit un campement ici et on établit une stratégie pour pouvoir le capturer un peu plus tard. Du coup, qui vote pour? Qui vote pour rester ici? Ah oui, on devrait rester ici. Moi, tout le monde? Ok. Non, moi je veux pas. Moi je veux pas. Quoi? Tu veux pas la Poiscaille? Pourquoi est-ce que tu veux pas? Moi je veux pas. Parce qu'il y a des filets aux fiches. J'aime pas. Mais ah, mais.
Bon, de toute façon, en vrai, c'est une démocratie. Du coup, s'il y a plus de oui que de non, on va rester ici. Et toi, Carla, est-ce que tu votes pour rester ici? Oui, on reste là. Ok, let's go. Ok, bon, on va rester ici alors. Du coup, il faut qu'on analyse ce McDonald's. Déjà, ici, on est au rez-de-chaussée. Et effectivement, c'est un vrai McDonald's. Regardez, il y a le menu juste ici. Eh, la Poiscaille. Je voudrais, du coup, s'il te plaît, un menu Maxi Best of Royal Deluxe, potatoes avec une sauce creamy deluxe et un Nasty Green. Est-ce que tu peux me faire ça? Non, on a que des pizzas et des milkshakes. Des pizzas dans un McDonald's? Mais ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce que c'est ce délire? On a seulement des milkshakes au chocolat. Oh, mais c'est incroyable. Mais regardez, oh, il vient de m'amener un Royal Deluxe. Oh, mais c'est incroyable. Oh là 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 là, je suis refait. Incroyable. Oh là là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre menu préféré au McDo. Moi, c'est clairement le Royal Deluxe et le Maxi Best Of. Let's go. Ok, ok, ok. C'est bon, bref, on est en train de perdre du temps et plus que 4 minutes, il va arriver. Il faut vite qu'on voit un petit peu les faiblesses de ce McDonald's et de ce nouvel endroit dans lequel on va s'installer. Alors déjà, ce que je vois, c'est que tout le rez-de-chaussée, ce sont des baies vitrées. Il peut facilement casser les baies vitrées pour s'introduire à l'intérieur du McDonald's. Et ici, regardez, il y a une porte que l'on peut ouvrir. Regardez, hop, ah non mais arrêtez. Voilà, regardez, il y a une porte ici qu'on peut ouvrir. Du coup, je pense que voilà, on va se servir du mobilier du McDonald's. Voilà, comme je le fais actuellement, pour tout simplement boucher l'entrée. Ça, c'est une très bonne idée. Oh là là, vous avez parfaitement commencé à le faire. Ok, donc on est en train de boucher l'entrée du McDonald's. Voilà, c'est parfait, comme ça, il ne pourra pas rentrer. Le problème, c'est qu'il peut casser les baies vitrées, comme je le fais actuellement d'ailleurs, c'est super débile, pour pouvoir rentrer à l'intérieur du rez-de-chaussée du McDonald's et rentrer dans le bâtiment pour pouvoir venir nous attaquer. Du coup, je pense qu'on va devoir monter à l'intérieur du McDonald's pour ne pas se faire attaquer. Et du coup, qu'est-ce que nous avons un petit peu plus haut? Ok, c'est vraiment le bazar ici. What? Non, mais décidément, vous avez décidé de tout casser. C'est quoi ce délire? Ok, je vais sortir par là. Ok, je suis coincé par les chaises. Je vais les dégager. Oh, what? Ok, mais attendez, mais on peut sortir ici, mais c'est super dangereux en sachant que c'est beaucoup d'enfants qui viennent manger au McDonald's. Regardez, j'ai juste à ouvrir cette porte et je me retrouve sur le toit du McDonald's et je peux sauter dans le vide et littéralement mourir. C'est quoi ce McDonald's super étrange? En plus, il est inhabité, il est complètement abandonné, c'est vraiment bizarre. Et pourtant, j'ai l'impression que le ménage a été fait il y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment trop étrange. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? Oh non, mais c'est très bizarre ici quand même. C'est vraiment extrêmement étrange. Ok, ouais, ce serait bien de barricader un maximum les entrées. D'ailleurs, ici, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi? C'est Pingu qui a commencé à faire une sorte de build géant autour du McDonald's. C'est super stylé. Ok, on va découvrir ce qu'il a construit juste après. Ensuite, si on monte ici, qu'est-ce que nous avons? Ok, on a aussi des portes qui mènent vers l'extérieur, mais c'est super dangereux. C'est quoi ce délire? Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un McDonald's des backrooms. Il est trop dangereux. Genre, vraiment, pour les enfants, à tout moment, ils peuvent mourir. C'est vraiment effrayant. D'ailleurs, oh, what? Plus que 3 minutes. Et le catnap Maudit Nightmare va arriver. Ça commence à devenir vraiment effrayant. Il faut vite qu'on barricade un maximum ce McDonald's. Mais s'il y a personne avec moi, c'est que je pense que le McDonald's est en train d'être bien barricadé. Ok, waouh, regardez en bas. La porte d'entrée, elle est vraiment extrêmement bien barricadée. Je pense que le catnap Nightmare Maudit ne pourra pas rentrer du tout par là. C'est vraiment parfait. Ok, waouh, incroyable le travail de Biomix. Oh, c'est magnifique. Et ici d'ailleurs, c'est quoi? Ce sont les cuisines. Ah mais oui, ok, ce sont les cuisines. C'est là où tout à l'heure Pingu est venu me cuisiner un petit menu Maxi Best Of Royal Deluxe. Incroyable. Bon, du coup, par contre, venez tous, petite pause dans la construction. On va monter tous ensemble en haut parce que vraiment, il y a une pièce qui a l'air super intéressante. Venez tous, Pingu revient, Biomix revient, la Poiscaille, venez. Ok, c'est bon, vous êtes tous là. Let's go. Et on va s'introduire dans cette nouvelle pièce, sachant qu'on peut encore monter, c'est incroyable. Ok, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce? Oh, waouh. Ok, c'est une aire de jeu pour enfants. Il y a Carla, regardez, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, on la voit juste ici. C'est énorme. Et du coup, regardez, c'est une aire de jeu pour enfants incroyable. Ah, vraiment, c'est trop stylé ici. Ok, l'aire de jeu est vraiment super grande. Oh, waouh, mais ça fait penser un peu à des backrooms. C'est vrai que c'est assez effrayant. Ok, bon, let's go. On va aller à l'intérieur de cette aire de jeu. On va voir un petit peu si on peut y trouver des choses intéressantes. J'ai l'impression que ça fait un peu flipper en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette aire de jeu, je sais pas, elle me fait un peu flipper. Je comprends pas trop pourquoi, mais ok, je suis à l'intérieur. J'allume ma lampe torche. Oh, waouh. Ok, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans les backrooms en étant dans cette aire de jeu. C'est assez étrange comme sentiment. Allez, je vais monter là-haut. Allez, hop là, voilà. Ok, what? À tout moment, on va tomber sur quelque chose d'effrayant. Un smiler sur un cadavre ou alors Greg. Ouais, c'est Greg. Salut Greg, comment ça va? Ça va bien, ça Greg? Ça va très bien. Ok, let's go. Oh, attendez, plus que 2 minutes et le catnap Body Nightmare va arriver. Oh, il faut qu'on se dépêche. Enfin, on se dépêche de juste barricader ce bâtiment. Et après, bah moi, sur moi, j'ai quelques armes, mais j'ai juste un gun. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir. Ah, oh wow, t'as bouché l'entrée ici. Ok, je peux quand même te rejoindre. Oh, on a accès à un super grand toit sur lequel t'as commencé à mettre des mitrailleuses. Oh waouh, ok. Alors ça, c'est vraiment cool. Oh, let's go.
Parce que du coup, le catap Money Nightmare, il va arriver par là. Et du coup, on pourra lui tirer dessus avec les mitrailleuses. Oh, ok, ok, ok. Allez, tout le monde, tous sur le toit. Le catap Money Nightmare va pas tarder à arriver. Ok, plus qu'une minute, il arrive. Ok, je vais aller voir la construction de Pingu juste avant pour voir ce qu'il a construit. Et normalement, le catap Money Nightmare va arriver. Ok, j'arrive. Ok, ok, ok. Alors, du coup, la construction de Pingu, elle est un peu plus bas. En tout cas, ce McDonald's est super étrange. Mais au moins, on a réussi à y mettre une base incroyable. Regardez, là en bas, Bimix, il a tout barricadé. Vraiment, c'est incroyable. C'est trop stylé. Par contre, est-ce qu'on peut encore rentrer par l'arrière de la cuisine? Oh non, parfait, ça a été barricadé. Ok, vraiment, vous êtes grotesque. Ok, let's go. Du coup, je vais monter la construction de Pingu. On va voir un petit peu. Ok, let's go. Incroyable, les abonnés, regardez. Ok, on s'aventure à l'intérieur. Il y a Greg, viens avec moi. Viens, on y va à deux. Ok, j'arrive. Trop stylé. Et là, pour l'instant, pas encore d'arrivée du catnap Money Nightmare. Mais ça ne saurait tarder. Il va pas tarder à arriver. Ok, ok, incroyable. On va prendre les escaliers, on va monter. Ok. Oh là là là, c'est vraiment stylé. Hein. Oh, c'est incroyable. Allez, on se dépêche. Oh, salut Greg. C'est juste derrière. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main, Greg? Je suis à la trace. C'est quoi ça? C'est des bombes à eau. Des bombes à eau? C'est pourquoi? Pour attaquer le catnap Money Nightmare? Ah oui, je crois qu'il craint l'eau. Ok, ok, d'accord, ça marche. Bon, on verra ça en tout cas. Je suis pas sûr qu'il craigne énormément l'eau, mais on va voir ça. Ok, let's go. Ok, on monte les escaliers. Et je vais arriver tout en haut. C'est incroyable cette construction. Oh là, pourquoi est-ce qu'il y a des explosions? Oula, c'est le catnap. J'ai vu des sacrées explosions. Étrange. Oula, bizarre. Ok, on arrive en haut. Ok, oh, let's go. Nous voici en haut. Ok, je prends la mitrailleuse. Et on attend que catnap Money Nightmare arrive. On fait une petite ellipse. Il va arriver dans une minute. Il arrive. Regardez-le. Il est là, le catnap Money Nightmare. Tirez-lui dessus. Oh là 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 là, c'est bon, la guerre a commencé. Oh, mais c'est quoi toutes ces taches de sang? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ce carnage? Non mais vous battez entre vous plutôt que d'essayer de le tuer. C'est quoi ce délire? Ok, ok, il faut qu'on réfléchisse à une tactique pour pouvoir se défendre contre lui. Parce que là il va arriver. Il avance. Ok, ok, tire-lui dessus. Greg, tire-lui dessus, il avance. Le canard. Let's go! Il est où? Il est où? J'ai pris mon gun! Oh, regardez, il est là! Il avance vers le McDonald's! Tirez-lui dessus! Tirez-lui dessus! Il faut l'avoir! Ok, ok, allez, let's go! Ah, non, je suis tombé! Non! Il faut l'avoir! Réanimez-moi! Non, Bumix aussi est mort! Je suis mort avec Bumix! Ok, il faut l'avoir! Tirez-lui dessus! Ok, vous l'avez eu! Oh, Greg est mort aussi! Oh là 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 là! On a failli passer proche d'un drame! Ok, la Poisca, il réanime-nous! C'est bon! On l'a capturé! Vous l'avez capturé ou pas? Avant de le mettre KO juste avant. Vous l'avez capturé? Non, c'est bon, vous l'avez mis KO, vous allez le capturer. Ok, capturez-le et réanimez-nous s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Oh, ok, je vais être réanimé. C'est bon, je suis réanimé. Ok, let's go. Vous l'avez capturé, c'est bon? Il est capturé. C'est bon. Let's go, on l'a capturé. Maintenant, il faut capturer le Snidey Spidey Nightmare et le fusionner avec le catnap Maudy Nightmare pour obtenir le titan Maudy Snidey Spidey. Ok, bon, bah, let's go. Maintenant, on va se retrouver dans un nouvel endroit pour capturer le Snidey Spidey Nightmare. J'arrive par ce toboggan dans le level 37 sublimité des macros. Pour capturer Snidey Spidey Nightmare. En gros, Snidey Spidey Nightmare, c'est un Snidey Spidey qu'on a visionné avec Catnap Nightmare. Oh, regardez là-bas les Smilers. Ça prouve bien que dans cette partie des Backrooms, dans cette partie du level 37 Sulmity, on peut trouver des monstres. Parce que normalement, dans le level 37 Sulmity, oh bon, regardez, ils sont plus là-bas. On ne peut pas trouver de monstres. Ok, j'avance petit à petit vers là où il y avait les Smilers. Oh, waouh, c'est vraiment stylé par ici. J'allume ma lampe torche. Oh là 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 là. En gros, normalement, dans le level 37 Sulmity des Backrooms, on ne peut pas trouver de monstres. Oula, attention, je suis tombé dans l'eau. Bon, ça va dans l'eau, il n'y a pas l'air d'avoir de monstre pour l'instant. Oh là-bas, regardez, il y a un requin. Attention, attention, Pingu, Greg, remontez sur bord. Mais attends, d'ailleurs, Pingu, t'es en train de porter Greg sur tes épaules. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? C'est énorme. Oula, attention, je suis tombé dans l'eau. En gros, normalement, dans le level 37 sur l'unité des backrooms, on ne peut pas trouver de monstre. Mais là, regardez la preuve, on vient de trouver, et bien tout simplement, un requin ainsi que les Smilers. Ce qui prouve bien que Snidey Spidey doit être là. T'essayes de tuer le requin, Carla? Oui, mais j'arrive pas. Bah ouais, j'ai l'impression que. Oula, attention, oula. La caisse qui balance des roquettes là. Là vous êtes fou. Ah, oh, vous l'avez eu. Ok, GG. Bon, du coup, par contre, vraiment, cette partie du level 37 sur multi, elle est vraiment immense. C'est à dire qu'on peut vraiment se perdre. Donc, faut vraiment qu'on reste groupé. D'ailleurs, je ne sais pas où est passée la Poiscaille. Je crois qu'on l'a déjà perdu. C'est ça qui est inquiétant. Bon, ça va, Pingu. Tant que tu portes Greg sur tes épaules, on devrait pas le perdre. Alors, soit on va à gauche là, juste ici. Regardez. Enfin, à ma gauche ici. Oula. Oula. Ça a l'air inquiétant. Regardez. Oh, non, Carla. Carla. Carla, je te vois plus. Carla, tu m'entends? C'est une blague.
Ah ok, ok, qu'est-ce qu'il y a au bout? Qu'est-ce qu'il y a au bout? Ok. Il y a de l'eau. Ok, il y a de l'eau. À gauche, il y a un arbre à gauche. Oh what? On va aller voir ce qu'il y a là-bas à gauche. Ok, donc le but c'est de trouver Snidey Spidey. Donc voilà, le but vraiment c'est de le trouver. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Oh waouh! Oh c'est effrayant. Oh waouh, c'est effrayant. Et regardez, on voit le ciel. Mais attendez, c'est normal qu'on arrive à voir le ciel dans le level 36 Humility? Ça me paraît bizarre qu'on arrive à voir le ciel. Ok. Bon, le but vraiment c'est juste qu'on ne se perde pas parce que vraiment c'est un énorme labyrinthe. Attends, c'est qui là-bas? C'est la Poiscaille. La Poiscaille. Poursuivez-le, poursuivez la Poiscaille. Il faut vraiment qu'on reste groupé tous ensemble. Il a nos clips, il a nos clips. Il a nos clips? Oh non. Ok, où est-ce qu'on arrive ici? Ok, ah, évitez de partir dans tous les sens. On pourrait rapidement se perdre. Et si on commence à se retrouver seul, après ça risquera d'être compliqué. Même s'il y a pas vraiment de grands risques, puisque normalement il y a pas beaucoup de monstres. Mais vu que là on a déjà vu quelques monstres, il y a une tombe. Oh what? Qu'est-ce que fait cette tombe ici? Oh, c'est effrayant. Ok, Pingu, t'as trouvé quelque chose? Non, qu'est-ce que tu veux regarder le mur là-bas? Il y a une indication bizarre dessus. Une indication? C'est quoi ce... Oh what? On dirait un plan, mais c'est assez étrange. Ok, ok, ok. Bon, maintenant il faut vraiment qu'on trouve Snidey Spidey. Le problème c'est que cette partie là du level 37 sur l'humidité, c'est un peu comme une sorte de gigantesque labyrinthe. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Soit on va à gauche là, soit on va à droite, soit on continue tout droit, on retourne de où on venait, soit on monte l'escalier. En fait, il y a tellement de passages où on peut passer. On peut aller à deux endroits différents à gauche. Oh là 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 là. Je sais vraiment pas où aller. Attendez, pourquoi est-ce que je suis seul avec Carla? Carla, ils sont partis où les autres? Ah, vous êtes partis là-bas. Ok. Greg, ok, c'est bon. Je suis là. Je te suis, Greg. Pingu, il est parti au même endroit que toi? Okay. Non, non, il est parti à l'opposé. Mais on venait! On est déjà en train de se perdre! Oh là 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 là! On est déjà en train de se perdre! Non, 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 surtout pas, Greg! Si on commence à se séparer. Il y a du sang ici! Quoi? Attends, où est-ce qu'il y a du sang? Oula! Ok, du sang. Ok, on va s'aventurer là. Venez tous ensemble. Et attendez, mais on a perdu Biomix? Il est où Biomix? Ça se trouve, c'était le sang de Biomix. Non, Biomix! Biomix! Tu nous entends? Biomix! J'allume mon Toki Walki. Biomix! On entend Biomix. Oui, je suis là, je suis là. Ok, ok, sur Toki Walki, t'es où? On t'a perdu? Un peu perdu là. Non, on a perdu Biomix. Voilà, je vous l'avais dit. On va commencer à perdre tout le monde. Oh waouh. Ok, attendez, là, vous voulez me dire qu'on va devoir plonger sous l'eau? Il y a un monstre derrière nous, il y a un monstre derrière nous. Oh, oh attention, bactéria. Ok, plonger. Sautez, sautez. Plonger dans l'eau. Ok, c'est bon, on a plongé dans l'eau. Ok, ok, let's go, let's go, let's go. J'espère qu'on va pas rester trop longtemps. Allez, vite, 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 faut qu'on sorte d'ici. Allez, 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 allez. Ok, il y a toujours de l'eau. Allez, allez, vite, 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 vite. Ok, le bactéria ne semble pas nous avoir suivis. On était dans l'eau. Ok, on vient d'arriver ici. Oh, waouh. Ok, c'est vraiment effrayant. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment des monstres dans ce level 37. Oh, waouh. Où est-ce qu'on arrive? Dans cette pièce très étrange. Ok, on peut continuer de descendre par là. Bon, je t'ai retrouvé. Ah, Biomix, c'est bon, il nous a retrouvé. T'as pas croisé le bactéria sur ton chemin? Le hauler? Non, mais il y avait des trucs bizarres. Ok, d'accord. Bon, les abonnés, tout pour l'instant, pas de trace du Snidey Spidey. Mais au moins, on avance à l'intérieur de ces backrooms. C'est... On avance petit à petit. Où est-ce qu'elle est passée, Carla? Carla? Oui. Je t'entends. Ah, ok, t'es là, t'es là, t'es là. Ok, ok, c'est bon, t'es là. Ok. Oh là 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 là, c'est super grand. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que nous avons ici? Oula, oula. On va essayer le chemin. Oula. J'ai pas envie d'aller là-bas. Oula. Oula, 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 oula. Ok, bon, d'accord. Ok, on s'aventure absolument pas ici. Ok, Greg. Je vais me sacrifier. Non, Greg. Greg. Mais Greg, non. Revenez, 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 on s'aventure pas par là. Greg, non. Greg, non. Il est parti seul à l'intérieur, mais il va jamais pouvoir revenir ici. Oh, il va être perdu définitivement. Bon bah, on peut pas aller chercher, hein. Malheureusement, on peut pas aller chercher. Ok, Carla, t'es où? T'es remonté un peu? Je suis remonté. Ok, ok, ok. Carla, t'es en aventurière, toi, hein. À un moment donné, on va perdre. Ah oui, moi je veux. Ok, ici il y a des belles choses. Joseph de Greg, hein. Greg, il est mort. Oh non, on dit pas ça. Ah bon? Eh, Carla, regarde ici, c'est romantique un peu, regarde. On dirait un peu, comment on appelle ça, genre une thalasso. Tu trouves ça pas romantique? Un spa, tu veux dire? Ouais, un spa, voilà, exactement. Voilà, en vrai, c'est stylé, non? Tant qu'il y a pas de requin, moi, ça me va, hein. Ouais, c'est vrai, en plus, l'eau, elle est vraiment chaude ici. Il y a une autre indication, regarde. Oh what, c'est quoi ici? C'est quoi ce délire? Ok, c'est vraiment étrange tout ce qu'on a ici. Ok, 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 vraiment cet endroit des backrooms c'est très effrayant. On va vite sortir de là parce que je me sens un peu à l'étroit. Je commence à me sentir à l'étroit, faut qu'on retourne dans des grands espaces comme on avait un peu au début. Les backrooms, là. Oh waouh, 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 où est-ce qu'on arrive là? Ok, ok, c'est ok. Ici, c'est ici. Attends, ici? Je connais le chemin, ouais, je connais le chemin. Non, non, attends, 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 on est exactement dans l'endroit de Greg. Ah non, ok, c'est assez ressemble, mais. Greg? Je suis tombé sur un monstre. Ah, what? T'es tombé sur un monstre là où t'étais? Ah oui, c'était okay, un. Une espèce de gros bébé chauve. Quoi? Mais attends, mais t'es toujours au même endroit? Je suis remonté, mais je sais pas trop où je suis. Ok, on a perdu Greg définitivement. Oh. Heureusement, il est toujours vivant, il nous parle via le Tokiwalki. Oh, waouh! Wow. Ouais, c'est vraiment joli ici. C'est vraiment stylé. Bon, toujours pas de trace de Snidey Spidey. Ok, on enchaîne les. Oh là là, c'est super sombre. On enchaîne les endroits de plus en plus étranges. Bon, en vrai, les endroits qui sont stylés, mais il y en a qui sont vraiment étranges, les abonnés. Et toujours pas de trace de Snidey Spidey. Ok, on arrive ici. Ok, ok, waouh. Ok, on arrive dans un endroit très très bizarre. On était juste en dessous, je crois. On était là tout à l'heure. Ouais, on était juste en dessous. On arrive dans un endroit bizarre. Où est-ce qu'on arrive? Ici. Il y a un endroit bizarre en haut. Enlevez vos lampes torches. Oula, 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 oula. Oh, waouh, c'est très effrayant. Oh, ok, 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 c'est grand. On a l'impression qu'il y a de la hauteur sous plafond. Ok, c'est effrayant, c'est effrayant. T'es allé à droite ou...
Ah, je vous ai retrouvé. Où ça, Greg? Ah, Greg. Je suis juste là. Victoire. On a retrouvé Greg. Incroyable. Ok, magnifique. Oh là là, on a retrouvé Greg. On est de nouveau tous ensemble. Incroyable. Ok, il faut qu'on remonte par ici. Oh waouh, c'est tellement grand, Pingu. T'as vu ça? C'est une dinguerie, hein. Oh là. Pourquoi les lumières elles marchent encore là? Je sais pas. Elles font des bruits comme dans le niveau 0 en plus. Ici, 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 ici. Ok, on descend dans des endroits très très bizarres. Que descendre. Oh là, ouais, là c'est des bruits de néon. Regardez, écoutez. Oh what, c'est vraiment effrayant. Oh ok, on vient d'arriver dans une nouvelle salle inconnue. D'accord. Les abonnés, vraiment, on se balade à travers ce level. Oh aussi, c'est joli. Viens. Attends, où ça, Carla? Il y a des arches et tout. Attends, mais je vais aller voir, mais attends, parce que... Fais voir. Oh waouh. Ok, c'est magnifique. Ok, mais attends, regarde là-bas ce qu'on a trouvé. Il y a un immense espace avec... on a trouvé vraiment un immense espace avec Biomix. Qui est vraiment stylé. Oh waouh. Et regardez ici, on a le grand ciel bleu et... Oh, il y a des escaliers qui se croisent. On peut sauter sur l'escalier juste en face. Oh, sauf que... Si je loupe mon saut, littéralement je meurs. Oh, ok, j'ai réussi. Ok, attention. Ok, Greg. Greg. Ok, non, Greg, il est séparé de nous. Oh là 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 là. Ok, on va bouger par là. Ok, ici. Oh là là, on est séparé de Greg. Greg, est-ce que tu nous vois? Ok, ils sont là-bas. Au pire, je vous vois pas. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse demi-tour et qu'on retourne là où il y avait les arches. De là où il y avait. Parce que j'ai l'impression que c'était vraiment très très beau. Du coup, on retourne aux arches. Là où elle nous avait dit Carla. Carla, t'es chaud, on retourne aux arches. Oui. Je pense que là-bas, c'était vraiment stylé. On retourne sur l'autre pont. Enfin, on retourne là où il y avait les arches. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment qui me dit qu'on va peut-être trouver Snidey Spidey là-bas. Du coup, on va retourner aux arches. Venez. Par contre, on a perdu les autres, hein. Parce que je crois qu'ils ont pris un autre chemin. Faut qu'on saute en face. Ok, let's go, c'est bon, j'ai sauté. Let's go, c'est parti. Ah, Greg nous a attendu là. Ok, parfait. Ok, let's go. On va continuer et on va retourner aux arches. Et peut-être qu'on va entendre Snidey Spidey là-bas. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment qu'on va trouver Snidey Spidey là-bas. Oh, mais j'entends Snidey Spidey, je crois. Ok. Oh, wow, c'était quoi ce hurlement? Ok. Venez tous. On a perdu, par contre, Biomix, je crois. On a perdu Biomix, oui. Pingu, ah, et Pingu, non, Pingu il est là. Ok, on va devoir continuer par là. Ok, je prends mon gun et c'est parti, let's go. Ok. C'est bon, s'aventure, j'entends vraiment Snidey Spidey Nightmare. Oh waouh, ça a l'air stylé ces endroits là. Oh waouh, regardez. Oh, attendez, je vais essayer de monter un peu pour vous montrer. Oh what, regardez, il y a vraiment, c'est super grand ici. Oh là 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 là. Oh attention, il faut pas que je tombe. Waouh, c'est super grand en bas. C'est vraiment incroyablement stylé. Non, Greg, t'es tombé là en bas. Ok. Je vais passer là. Ok, on continue. Oh, regardez, il y a à gauche. Vous pensez qu'on doit aller où? À gauche par là ou alors tout droit? Je pense qu'il faut qu'on continue tout droit. Ok, il y a différents endroits. Oh là, il y a de la belle hauteur sous plafond. On voit même le ciel. C'est magnifique. Ok. Oh, il y a tellement d'endroits où aller. Et ici, nous avons quoi? Oh, regardez, il y a Snidey Spidey Nightmare. Let's go. Tirez-lui dessus. Let's go. C'est parti. On le tire dessus. Ok, il faut qu'on le mette KO. Oh, attention. Il nous attaque. Ok, tirez-lui dessus. Il faut que le mette KO. Et comme ça, on va pouvoir le capturer. Oh, on est où ici? Oh, c'est incroyable. Oh, attention, il arrive vers moi. Oh là là. Oh, c'est effrayant. C'est quoi ici? Ok, oh là là, c'est tellement stylé. Il est en train de nous attaquer. Tirez-lui dessus, let's go. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une tornade de feu. Je sais pas si c'est lui, il est encore là-bas. Ok, je vais lui tirer dessus. Je vais tirer dessus. Oh, il est assommé. Oh, c'est bon, on l'a eu, let's go. Capturez-le, envoyez les boules de capture, let's go. Oh là, incroyable. C'est bon, on l'a capturé. Et je vais enfin pouvoir le fusionner. Attention, il y a un monstre. Il y a un bactérien. Oh là là, attention, donne-moi Pingu. Donne-moi la boule de capture, Pingu, vite, je suis derrière toi. Où est-ce qu'il est? Ok, vas-y, donne-la-moi, ok, parfait. Si merde, ok, moi je me barre, je vais au laboratoire et je vais le fusionner. Bon courage. Battez-vous bien. Ciao. Oh wow, ok, un escalier ici. Je sais pas où est-ce que je vais arriver. Il faut que je retourne au laboratoire. Oh, ok, j'arrive ici, parfait. Ok, let's go, on se retrouve au laboratoire. C'est bon, j'arrive au laboratoire pour fusionner Catnap, Maudit Nightmare ainsi que Snidey Spidey Nightmare que j'ai capturé. Voilà, j'ai capturé les deux et je vais les fusionner pour obtenir le Titan Maudit Snidey Spidey, le tout nouveau monstre de Poppy Playtime chapitre 4, un tout nouveau monstre terrifiant que l'on va entraîner à combattre. On va voir de quoi il est capable. Est-ce qu'il peut battre les personnages les plus puissants de tout Poppy Playtime chapitre 3? C'est ce que nous allons voir. Let's go, c'est parti. Je rentre dans le sas d'entrée du laboratoire top secret. On va ensuite rentrer à l'intérieur de ce laboratoire et on va fusionner Catnap, Maudit Nightmare ainsi que Snidey Spidey Nightmare. C'est bon, le rideau métallique s'ouvre. On va rentrer directement dans le laboratoire. Voici un petit portail de sécurité. Si je n'étais pas autorisé à rentrer dans ce laboratoire, il m'aurait découpé en 1000 morceaux. Là, vu que je suis autorisé à rentrer, eh bien c'est bon. Regardez, en fait, c'est plein de lasers, c'est trop stylé. Ensuite, on rentre juste ici, là à droite. Oh, what? Mais pourquoi? Non! J'ai cassé la fenêtre de la salle de fusion. Ok,
Ok, j'espère vraiment que la fusion va fonctionner. Bon bah let's go, on va descendre dans cette salle de fusion histoire que je libère simplement le catnap Maudit Nightmare ainsi que le Steady Spider Nightmare. Ok, j'espère que la fusion va fonctionner puisque maintenant la salle est plus vraiment fermée. En gros, il y a des petites ouvertures simplement dans la fenêtre vu qu'on a cassé la fenêtre. Oh là 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 là, quelle bêtise. J'espère vraiment que ça va quand même fonctionner. Bon, du coup, une fois que j'ai libéré ici le catnap Maudit Nightmare ainsi que Steady Spider Nightmare, je vais allumer un bouton histoire qu'ils fusionnent. Ça va les faire fusionner. On va obtenir le titan Maudit Steady Spider. J'ouvrirai ensuite ce rideau métallique avec ce bouton. Voilà, que je pourrais commander à distance. Il va traverser ce tunnel. Voilà, en gros, il va traverser ce tunnel. Et il va arriver à un trou qui va lui permettre de sortir à l'extérieur. Et à la sortie de ce trou, je poserai, et bien simplement, des personnages extrêmement puissants de Pop Playtime chapitre 3, tels que le démon Dog Day, pour voir de quoi il est capable. Ok, let's go, c'est bon. Bon, du coup, je referme la porte. Quoique, je vais peut-être la laisser ouverte celle-ci en fait. Comme ça, il sortira directement. C'est juste l'autre, faut que je ferme là-bas. Ok, let's go. Bon, je vais libérer du coup le catnap Maudit Nightmare ainsi que Steady Spider Nightmare. C'est parti, let's go. Allez, on ferme la porte là. Et c'est parti, je vais les libérer tous les deux. Let's go, c'est bon. Ok, ils ne devraient pas tarder à apparaître. Ok, oui, c'est bon, ils sont là. Ok, incroyable. Regardez, les deux sont là. Ok, let's go. On va sortir de la salle de fusion. Incroyable, ils sont tous les deux là. Et on va les fusionner. Oh là 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 là, mais quelle dinguerie. Ok, bon, let's go. On va aller les fusionner. C'est parti. Voilà, le scalaire biométrique. Et on va monter. C'est bon, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, ok, ok. J'ouvre cette porte. Ok, oh là là, regardez, ils sont tous les deux là. Incroyable, on va les fusionner. Ok, pour les fusionner, en gros, il y a un bouton secret sous ce bureau là. Voilà, ok, let's go. C'est bon, j'appuie dessus. Et normalement, la fusion va commencer. Let's go. Comme je le craignais, il y a de la fumée qui sort de la salle de fusion. Oh là 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 là. Mais oui, parce que du coup, la fenêtre était cassée. Regardez à ce niveau là. Oh, par contre, je crois que la fusion a fonctionné. Oh, l'énorme dinguerie. La fusion a fonctionné. Oh, les mecs, oh, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs. La fusion a fonctionné. Oh là 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 là. Mais waouh. Waouh. Ok, je vais ouvrir ici. On va le faire sortir à l'extérieur. Oh, je suis tellement hypé. Oh, la dinguerie de ce qui vient de se passer. Oh là 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 là. On va le faire combattre face au démon Dog Day. C'est bon, je sors du laboratoire. Il a dû sortir du trou. Et oui, regardez-le. Il est sorti du trou. Oh, la dinguerie. Il est tellement stylé. Voici le titan Maudit Steady Spider. Oh, waouh. Regardez toutes les mouches autour de lui. Oh, waouh. Il est tellement effrayant, tellement stylé. Et on va le faire affronter le démon Dog Day. C'est parti, je vais poser le démon Dog Day. Voici le titan Maudit Steady Spider qui va affronter le démon Dog Day. 3, 2, 1, fight. Let's go. Ok, le démon Dog Day l'a attaqué de loin. Ok, ok, attention, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le titan Maudit Steady Spider a fait une crise d'épilepsie. Sans doute une nouvelle attaque de démon Dog Day. Qu'il l'a eu, mais c'est pas possible. C'est quoi ce délire? Oh, il l'a battu tellement facilement. Bon, maintenant que j'ai débloqué, je vais pouvoir en poser un deuxième pour prendre sa revanche. Mais c'est pas possible, le démon Dog Day est trop puissant. Je pose le deuxième. Ok, le combat va recommencer. C'est bon, le combat a recommencé. Ok, allez, allez, c'est parti, c'est parti. Non, 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 non. Il va le réavoir. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Oh, le démon Dog Day est juste trop puissant. Ok, il faut vraiment qu'on fasse combattre quelqu'un d'autre face au titan Maudit Steady Spider. Je ne peux pas croire qu'il soit aussi nul. C'est pas possible. En plus, regardez, il reste encore quasiment toute la vie au démon Dog Day. Ok, voici le titan Maudit Steady Spider qui va affronter le mecha catnap. Allez, cette fois-ci, tu gagnes. 3, 2, 1, fight. Et vous. Ok, c'est parti. Ok, regardez, il essaie de mettre des coups de corne. Ok, oh là là, les coups de corne. Ok, c'est parti, c'est parti. Allez, s'il te plaît, il faut que tu le battes. Allez, allez, allez. Avant de connaître ce résultat final, je vous le dis, si vous voulez plus de vidéos avec Steady Spider, le titan maudit, voilà, et bien, vous mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Il y a 5000 pouces bleus. Je referai des vidéos avec lui. Oh, c'est bon, il a réussi à le battre. Incroyable. Ok, incroyable. Oh, let's go. Regardez, c'est trop stylé d'ailleurs. Il a vraiment, en fait, l'épée du catnap Maudit Nightmare, ainsi que la texture et un mélange de couleurs entre le catnap Nightmare, enfin le Steady Spider Nightmare du coup, et le catnap Maudit Nightmare. Oh là là là, c'est vraiment la fusion, hein. Si on met les deux à côté, on voit vraiment que c'est la fusion. Genre vraiment, c'est vraiment la fusion entre lui avec les pics et tout, et lui. C'est vraiment une dinguerie. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos avec lui, je vous invite à mettre un pouce bleu dès maintenant sur cette vidéo. Plus de combats aussi, on le fera affronter plus de personnages. Et d'ici là, il y a deux vidéos qui s'affichent pour vous. Cliquez sur celle que vous préférez.